Le réalisateur congolais Dinel de Souza s'est associé au Synergie Club d'Escrime pour rendre effectif le tournage du film Escrime à Brazzaville. Ce film, dont l'idée est venue de Meldrick Dissivouloud, vise à dissuader la délinquance juvénile et à encourager la reconversion d'ex-délinquants par la pratique de l'escrime, une discipline sportive peu répandue en République du Congo. Un challenge relevé par les initiateurs du projet, malgré le manque de moyens suffisants. En tant que jeune, on a pensé quand même proposer une piste de solution pour pouvoir remédier à ce phénomène. Donc c'est les occuper à la partie de l'escrime. Et comme vous pouvez le constater, c'est plusieurs jeunes comme ça qu'on a occupés. On les a formés au jeu d'acteur et aussi à la partie de l'escrime. C'est grâce à ses moyens personnels que le producteur a supporté toutes les charges liées à la réalisation de ce projet, nonobstant le soutien de certaines personnes de bonne volonté. Ce projet cinématographique, qui traite un phénomène social qui implique la jeunesse congolaise, a suscité l'adhésion des jeunes qui ont accepté de jouer le jeu d'acteur. Et dans ce tournage, j'ai eu à jouer le rôle d'un assassin en fait. L'escrime, c'est un sport noble. Donc nous voulons que nous puissions lancer un appel à travers la jeunesse qui vient nous rejoindre pour que nous puissions continuer à travailler avec eux. Le projet de prendre ces jeunes pour les insérer dans le sport de l'escrime va les occuper, va faire à ce qu'ils puissent avoir un métier et certainement abandonner avec tous ces comportements déviants qui s'exposent dans nos arrondissements et quartiers. Pour lutter contre la délinquance juvénile, un phénomène qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, notamment dans les grandes agglomérations, les autorités congolaises ont adopté en 2023 une stratégie nationale de prévention de la délinquance juvénile. Le document recommande une revalorisation des enseignements portant sur l'éducation civique, morale et pour la paix. Pour de nombreux acteurs sociaux, la pratique de l'escrime devrait également permettre de canaliser la violence en milieu jeune.